Bonsoir à tous. Allez, samedi soir, dernière séance de la semaine. Bonsoir Valérie, bonsoir Laetitia. Je crois que vous êtes en train de vous connecter de partout, c'est chouette. Bruno, bonsoir. Christelle, bonsoir. Nadine, bonsoir. Nos amis sur YouTube, bonsoir. Laetitia, coucou. Corinne, bonsoir. Chris, bonsoir. Salut Claire. Il y a Brigitte, Claude, Stéphanie, Maria, bonsoir à tous. Marwell, Johanna, Christine, Caroline. Allez, je suis ravi de vous saluer. Bon, il semblerait qu'on va encore passer du temps ensemble prochainement, hein, puisqu'il semble s'annoncer. Moi, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et je pense que de toute façon, à l'issue de tout ça, ça sera le retour des beaux jours du printemps. Et je pense qu'on verra le bout du tunnel. Donc, on aura vraiment vécu cette aventure tous ensemble, j'ai envie de dire, main dans la main. Bonsoir Christelle, bonsoir Sébastien, bonsoir Florence, bonsoir Diana. Delburkirk, bonsoir Christine. Je n'ai pas eu la bien, Philippe, Béni, Lynn, Christiane, Stéphanie, Rima, Fanny, Yassine, Sylvie. Bon, vous êtes nombreux à vous connecter, c'est cool. Je suis un petit peu en avance. Salut Tiffen, bonsoir Florence, salut Charline, bonsoir Adeline. Alors ce soir, il nous faut une paire d'haltères. Pas forcément très très lourd, parce que ça va vite être désagréable. Donc prenez quelque chose de léger. Moi j'ai pris des petites bouteilles d'eau. En revanche, il y a un exercice, notamment à la fin. Vous pourriez peut-être avoir un peu plus lourd, quoique ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, bon, bref, si vous avez plusieurs accessoires, plusieurs haltères, prenez ce que vous avez sur la main pour adapter en cours de route. Et si vous n'avez pas autre chose que des petits haltères, ça ira très très bien. Et pour nos amis qui démarrent ce soir pour la première fois, vous n'avez besoin de rien. Ou alors vraiment du très 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 léger. C'est vraiment pour essayer de laisser un chouille. Quelques exercices, mais c'est tout. Par contre, on ne va pas faire dans le très glamour ce soir. Vous allez voir que les exercices, ils ne nous mettent pas forcément à notre avantage. Bon, une fois que je l'ai dit, je me sens tellement mieux. Hein, je me sens soulagé d'un poids. Serge, bonsoir. Maria, Anne-Marie, Oriane, Claude, Mathias, Sabine, Sylvie. Ah, vous êtes nombreux, c'est chouette. Il est quelle heure? Je suis complètement... Ouais, 17h59 quand même. Hein, Irène, bonsoir. Marise, France. Bon, c'est bien cette année. Enfin, cette année, oui, mais cette semaine, en tout cas, on aura fait cardio, renforcement musculaire, du galbe. Là, ce soir, on va vraiment être sur que du renforcement musculaire. Il n'y a rien de cardio, ça ne veut pas dire que le cardio ne va pas être stimulé, mais on n'est que sur du renforcement musculaire. Allez, je fais un dernier réglage. Hop! Comme à l'instant, il est 18h, parce que s'il y a une personne ou deux qui arrive un petit peu en retard, bonsoir Stéphanie. Est-ce que Stéphanie qui regarde fait la séance? Mario, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Cathy. Alors, je pense un petit message perso. Là, n'hésitez pas non plus à passer aussi peut-être ou à vous connecter si vous avez la possibilité ou sur la chaîne YouTube, je viens, ou sur mon Instagram. Si vous voulez bien, si vous êtes motivé, parce que je vais lancer une nouvelle série d'exercices prochainement. Donc, si ça vous intéresse, vous serez connecté sur mon Insta. Voilà. Et pareil, YouTube, n'hésitez pas à relayer autour de vous, parce que je crois que c'est comme ça qu'apparemment l'algorithme référencie les séances. Allez, 18h, c'est l'heure. Bing, check, check, on peut y aller, c'est cool. Ah, ça fait du bien. Ah ben ça démarre fort. Hein. Allez, on va partir avec les jambes à l'écart. Vous allez essayer de vous redresser. Vous allez bien dégager les épaules vers l'arrière. Là, vous connaissez la chanson. Vous allez partir avec
Les bras fléchis au niveau de la poitrine. Vous allez tranquillement monter les bras au-dessus de la tête en inspirant. Vous revenez en fléchissant les bras sur la poitrine et vous dégagez de la même façon les bras vers le bas, mais vers l'arrière. Allez, flex en haut, flex en bas. Alors déjà, d'entrée de jeu, si on a des problèmes d'épaule, restez que sur le mouvement du bas. Ne faites que celui-ci déjà pour minimiser les mouvements avec les bras et les épaules. Pour les autres, c'est un X. Les deux bras en haut et les deux bras en bas. Allez, inspirez, soufflez, inspirez et soufflez. Je vais refaire un tout petit peu de cadre. Allez, tellement de trucs qu'on ne voit plus rien. Allez, inspirez, parfait. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec l'exercice, vous pouvez peut-être progressivement l'accélérer. J'inspire, je souffle. Allez, c'est important de bien sentir qu'en même temps, là, c'est presque un étirement. On étire, on se fait du bien, on réveille les muscles, on mobilise les articulations. Je veux bien que vous fassiez ça encore deux fois, si vous pouvez. Et la toute dernière, cool. Pendant ce temps-là, on serre les ados, on engage le périnée, on ne s'occupe pas des bras pour le moment, on fait juste un transfert. Allez, essayez de sentir que vous travaillez bien en rotation, essayez de bien placer le corps dans la rotation avec un mouvement de pointe de pied, ça c'est important. Une fois que vous avez engagé les abdos, vous pouvez laisser partir les bras un petit peu. Voilà, pas de mouvement brusque, pas d'à-coups pour la colonne vertébrale. J'inspire et je souffle au moins deux fois. J'inspire sur un aller et je souffle sur l'aller-retour suivant. Ça fait un peu genre on est timide, vous savez, quand on est. À chaque fois que je voulais parler à une fille avant, ben voilà, je faisais ça. Et j'ai jamais compris pourquoi elles étaient toutes tout le temps en train de partir en courant. Pourtant, je dégageais bien les bras. Allez, inspirez, soufflez, cool. Deux fois, on rassemble. Vous posez les pieds dans le sol, vous maintenez le dos et vous commencez à engager les épaules. Enfin, ça vous fait peur. Bonjour, je voudrais vous parler et je me mets en position comme ça. Allez, inspirez. Essayez de vraiment sentir que les épaules s'enroulent. Voilà, n'allez surtout pas vite. Qui c'est qui m'a mis des petits cœurs roses là? Merci Valérie. Allez, inspirez. Good. Alors à partir de là, vous allez poser les paumes de main vers le bas. Vous essayez de contenir le haut du corps. Vous montez les coudes, vous inspirez. Vous redescendez et vous appuyez. Vous essayez de sentir, c'est comme si vous écrasiez un ballon vers le bas. On inspire, on souffle. En même temps qu'il y a pression avec la main, il y a engagement au niveau de la sangle abdominale. Vous abaissez les côtes. Trois fois, deux fois, la dernière, et on souffle. Parfait. Placez les mains au niveau des hanches. Le petit step touch sur le côté. Essayez de sentir que vous êtes relativement souple dans les appuis. Ah, vous vous dites, c'est cool ce sort, ça démarre bien, c'est très tranquille. Vous avez raison, c'est hyper cool. Parfait. La suite, on va descendre de 5 cm dans les jambes et on va monter un genou. Voilà. Soit vous gardez les mains au niveau des hanches. Soit vous commencez à être un petit peu plus en mode athlétique. Alors, souple au niveau des appuis, mais par contre, contenez bien la posture au niveau du dos et surtout l'engagement au niveau des abdos. Alors, continuez de souffler. 4 fois, 3 fois, 2. Parfait, vous allez stabiliser sur la jambe gauche. La jambe est fléchie, vous dégagez avec la jambe droite sur le côté. Descendez peu à peu les fesses vers le bas et vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir avec les fesses. En même temps, s'asseoir avec autre chose, ça serait un peu difficile parfois. Tentez le truc. Parfait, vous bloquez, le même pied mais sur l'arrière. Jusque-là, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire je me suis assis sur le ventre. 4, 3, 2, puis vous allez mélanger les deux. Side, back. Allez. Un coup sur le côté, un coup sur l'arrière. 3, 4. Allez, comme vous commencez déjà à être un peu plus échauffé, n'hésitez pas à descendre beaucoup plus bas sur la jambe. 6, 7, 8, 9 et 10. Vous rassemblez, vous revenez sur le step touch en version 1, en version déjà un peu plus athlétique. Vous remontez à nouveau les genoux, activez bien les bras. Au niveau des blagues, ça démarre fort ce soir. Je suis vraiment désolé, c'est du ultra spontané.
C'est pas réfléchi, c'est pas calculé, mais quand je m'entends, c'est pas très joli. Hein. Mais en même temps, c'est bien. Travaillez l'endurance physique, vous travaillez l'endurance mentale et vous êtes prêt à tout entendre. Sorti de là, vous êtes prêt à tout supporter. Donc, finalement, ça a du bon. Hein. Allez, les bras, les jambes. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On switch, on appuie sur la jambe droite, on dégage avec la jambe gauche. Sentez bien, bien, bien. Vous ne lancez pas la jambe, vous avez du contrôle. 3, 2, 1. La même chose derrière. On descend. Essayez de stabiliser le buste, les épaules, le bassin dans l'axe toujours. 3, 2. Et si vous le voulez bien, on mélange les deux. Hop. À nouveau sur le côté et sur l'arrière. La dernière fois. Impeccable. Vous allez revenir, vous reprenez à nouveau droite, gauche, un petit peu plus bas si vous le pouvez. Essayez de sentir la qualité des appuis. On est toujours en réchauffement. Encore deux. Parfait. La toute dernière, vous engagez bien les abdos, mais cette fois, vous allez monter le bras. Rotation, c'est ce que l'on faisait tout à l'heure ici, en version cool, mais cette fois, vous élevez le bras sur le côté. Voilà, essayez de sentir vous engager bien les dorsaux, les fessiers, l'appui sur la cuisse, sur le pied. Ce qui est important, c'est que lorsque le bras s'élève, par contre, vous sentez que vous soyez bien compact au niveau de la sangle abdominale. Allez, 8. Good. Et on rassemble. Allez, fin de l'échauffement. Petit check. Hop, hop. Soufflez, on s'hydrate un tout petit peu et je vous invite à prendre les haltères si vous voulez bien. On va commencer tout de suite les cuisses, mais aussi avec le haut du corps. Associé au haut du corps. Allez, prenez les petites haltères, vous avez vu, elles ne sont pas grandes, hein, les miennes, hein. C'est des petites, mais ça suffit amplement pour le travail que l'on va produire ce soir. Alors, ce que l'on va faire, on va commencer avec les pieds parallèles, mais vraiment, vraiment, vraiment parallèles. Donc là, vous essayez de sentir que dans le prolongement de votre bassin, vous avez le même écart pour les pieds. Vous commencez ce soir, vous débutez. Ce que vous allez faire, c'est partir avec les paumes de main tournées vers l'avant. Vous allez juste chercher à orienter les fesses vers l'arrière pour mettre un peu la pression à la cuisse. Et quand vous montez, vous tirez les coudes en arrière. D'accord? Donc c'est j'inspire, je descends, je souffle. Niveau 1. Niveau 2, niveau 3, c'est la même chose. Vous choisissez juste la flexion dans les jambes. Par contre, je vous invite à partir paume de main face à face. On descend, donc admettons que le niveau 2 soit là, le niveau 3 encore plus bas, et vous remontez en pivotant avec les mains, paume de main vers le haut, et vous redescendez à nouveau en soufflant. Allez, c'est parti. Alors appuyez bien dans les pieds, c'est pas juste au niveau des jambes que ça se passe, mais une poussée par les pieds dans le sol. Continuez comme ça. Je vous redonne l'instruction pour la respiration. C'est plutôt en haut que vous inspirez. Il y a ouverture de la cage thoracique. Et vous soufflez en redescendant. Même si souvent on dit qu'il faut souffler à l'effort. Donc là, ça serait plutôt à l'extension. Et pour le coup, on va suivre une logique. Allez, encore. Parfait. Pendant ce temps-là, au moment où vous appuyez dans le sol, là, essayez de sentir qu'ici, ça travaille ensemble. Aussi bien pour les abdos que pour les fessiers. On embarque si possible le périnée. Donc là, il n'y a rien de méchant. Hein. Mais si toutefois, c'est trop dur pour vous, vous commencez ce soir ou il n'y a pas longtemps, vous pouvez déjà vous arrêter là et faites du step touch ici ou marchez un petit peu. Parfait. Pour les autres, on continue encore un peu. 5 fois. Alors, au cas où vous auriez des doutes, on n'a pas réellement commencé la séance. Hein. C'est toujours le mot sympa, je te jure. C'est ça pour nous motiver, ça, il sait faire. Parfait. Vous allez rester ici. Niveau 1, vous allez stabiliser les bras devant. Vous restez bien dans les cuisses quand même. Et vous faites du biceps. Ne lancez pas les bras, même si la charge est super légère, mais cherchez la contraction qui va raccourcir l'avant-bras sur le bras. Voilà. Niveau 2, et bien plus bas. Vous allez déposer l'avant-bras sur vos cuisses et vous allez monter aux épaules. C'est déjà plus contraignant au niveau des jambes. Niveau 3, les coudes, vous allez les placer sur le dessus du genou. Droit au niveau du dos et on fait la même chose. Go.
Donc là, il y a un travail statique, ce qu'on appelle de l'isométrie pour les cuisses, et un travail au niveau des biceps. Si toutefois, vous sentez que c'est trop facile dans les jambes, c'est que vous êtes peut-être un peu trop bas. Donc, n'hésitez pas à remonter un peu dans les jambes. Ok, vous pouvez vous arrêter là ou poursuivre encore un peu. Ne tombez pas dans la crispation. Allez, tenez bon. Good, encore une fois. Très bien. On revient. Petite transition que l'on se servira tout à l'heure. Vous posez les mains sur les cuisses. Expansion de la cage thoracique. Vous montez les bras, vous inspirez, vous redescendez, vous soufflez. Inspirez et soufflez. Ça, c'est un geste de préparation. On l'associera tout à l'heure à un autre exercice. Allez, 4. Soufflez bien. Comme il n'y a rien de violent pour le moment, essayez de sentir vraiment que vous êtes dans l'accompagnement du geste. Les bras redescendent, vous les freinez et vous engagez toujours la sangle abdominale en abaissant les côtes. Parfait, je suis un peu plus rapide si vous le pouvez. Donc là, vous avez déterminé vos options. On va refaire exactement la même chose. Et au cas où, on n'a toujours pas commencé la séance. La dernière. Good. Allez, c'est parti. J'inspire. Je me place. Mes pieds sont bien parallèles. Et je refais le même travail. Go. Quand vous avez le temps de poser l'exercice, misez vraiment sur les bons focus de contraction. Quadriceps, fessiers, abdos, périnée et les dorsaux. Ça fait déjà 10. Là encore, vous pouvez faire un premier stop. Après, vous pouvez mettre un second stop à 12, à 15, ou alors aller jusqu'au terme des 20. Ce qui est bien, c'est que c'est polyarticulaire. Donc, ça chute quand même de la calorie, parce qu'on travaille quand même plusieurs segments du corps. Membre inférieur, membre supérieur. Encore 2. Très bien. On se rappelle. Flex dans les jambes, je démarre. Je fixe mes coudes. Niveau 2, vous cuisses, fesses en arrière. Je rapproche les mains des épaules. Niveau 3, coude sur les genoux. Et n'hésitez pas même à moduler la flexion au niveau des jambes. Si vous sentez que c'est trop facile, c'est ce que je disais, remontez un peu. Mais même pour travailler un peu différemment, dans des angles différents, n'hésitez pas non plus à continuer d'appuyer sur le sol par les pieds. Peut-être remonter un peu ou descendre un peu dans les cuisses. Allez, 5, 4, 3, 2. Good. On remonte, on revient et c'est reparti. J'inspire, je souffle. On sent le corps qui se réveille. Hein. C'est bien, ça reste soft, mais on sent quand même que ça réagit un peu mieux là. Allez, travaille sur la posture. J'espère que vous appréciez un peu l'instant. Un effort, mais le plus gros effort, c'est celui de démarrer. C'est celui de se motiver, même avant même que la vidéo allait commencer. C'est sortir du canapé ou alors s'accorder un temps pour se préparer. C'est ça le plus dur. Une fois qu'on est, l'énergie, ça fait tout le reste. Good. On va revenir dessus, ce qu'on va créer. Vous allez partir avec les deux bras devant et vous allez commencer à tirer. Comme si vous rembobiniez là, ici. Une corde, hop, vous tirez. Alors attention, on ne va pas être dans la précipitation. Juste tonique. Et on fait un peu tourner les bras. Ça, ça annonce l'exercice suivant. C'est une transition. Allez, essayez de sentir, vous êtes bien. Un bon contrôle du geste. Encore un peu, 10 secondes. Alors, ce qui est important, c'est que vous sentiez vraiment que vous êtes en mesure de contracter vos abdos et de les ressentir. Voilà, forcez sur l'expiration. Les abdos se contractent. Vous pensez à votre périnée. 3, 2, 1. Et là, on lâche. Parfait. Alors, encore une fois, si vous commencez ce soir, mettez votre pied gauche devant, dégagez votre jambe droite derrière. On ne va pas parler de fente, on va parler de dégager. Vous allez vous placer ici. Et maintenant, vous allez simplement faire tourner les deux bras en même temps. Donc, toujours un travail au niveau des torsos, pardon. Et vous redescendez, vous soufflez. Niveau 2, un petit peu plus bas. Niveau 3, beaucoup plus bas. L'ouverture de la cage thoracique, on y va. Allez, c'est parti. Alors, vous pouvez faire des tranches de 10 ou aller jusqu'à 20. Ça fait 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou vous briquez, ou vous commencez ce soir, vous gardez les bras en bas et vous faites un mouvement qui, et vous deux, vous partez comme si vous étiez au volant d'une voiture, vous poussez sur les cuisses, vous montez un peu, attention à garder les épaules relâchées, inspirez, soufflez. Niveau 3, plus d'amplitude, main épaule, on descend et on monte juste en haut. Allez. Encore 10 ou 20. Appuyez bien dans les pieds. Ne lancez pas les bras. Cherchez à pousser dans les jambes et à sentir que les bras continuent le prolongement là, de l'extension. 13. Serrez bien les abdos. Encore 2 répètes. La dernière, si vous n'avez pas d'autre choix, step touch, sinon vous repartez ici en tirage alterné. Allez, continuez. Soufflez, soufflez, soufflez. Voilà, faites bien tourner. Ce qui va vous permettre de réguler au niveau du souffle. Si tant est que vous en ayez besoin, mais c'est pas grave, sinon vous restez ici. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et top, on relâche. Good. Ensuite, on change. Vous placez l'autre pied en avant. Rappelez-vous, vous commencez ce soir. Donc, niveau 1, changez bien la jambe et vous reprenez avec le tirage. Sinon, à nouveau en position avec la jambe fléchie, un peu moins bas ou alors très très bas. Et on recommence avec le bras. Go. Cherchez surtout à bien prolonger l'expiration. Regardez droit devant vous. Essayez de sentir que vous relâchez bien vos épaules. On a passé les 10, vous avez le droit de vous arrêter. Actuellement, 19 et 20. On se rappelle, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Allez, go! Si vous manquez un peu d'équilibre, n'hésitez pas à écarter davantage les jambes sur la largeur. Voilà, je monte les bras, je serre les abdos. Il faut sentir que ça appuie dans les cuisses là. Ça fait 10. Il y a déjà un peu moins de confort là, intérieurement. Ça travaille davantage. 16, 17. J'ai confiance en vous. Encore 2. La toute dernière. On récupère si on a besoin, on reprend à nouveau en mouvement dynamique. Allez, comment il est passé le dos? N'hésitez pas à descendre un peu dans les jambes. Si vous penchez légèrement en avant, vous allez solliciter les fessiers, mais attention à ne faire que si vous n'avez pas mal le dos. Encore 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On souffle. Good. J'ai vraiment un problème de cadre. Allez, soufflez tranquillement. Allez, expirez bien. Alors, ce que vous allez faire. Avant de passer sur le troisième exercice, on fait une transition. Vous placez les mains aux épaules. Vous allez gentiment remonter le bras droit. Ramenez la main à l'épaule, bras gauche. Hop, ici. Il n'y a pas 3 niveaux, il y a 2 niveaux. Ça, c'est niveau 1. Si toutefois vous avez mal au niveau de l'épaule, restez sur du tirage alterné dans ce cas-là. Niveau 2, 3, ça va être le même. Avec un petit mouvement de jambe pour garder l'élasticité. Voilà, essayez encore une fois de sentir que c'est d'abord poussé par les jambes. Le gab fait la transition et le bras fait la finition. Vous voyez quand même que le cardio il monte. Hein. C'est pas de la folie, mais le cardio quand même est stimulé. Hein. Et comme on a le temps, essayez d'avoir la bonne technique. Fesses en arrière. Allez, 3, 2, 1. On récupère. Cool. Alors on va poursuivre.
Vous allez partir, travail suivant, c'est fessier intérieur de cuisse. Pour le coup, je vais vous inviter à ouvrir beaucoup plus les jambes, essayer d'avoir un écart plus important. Vous allez commencer ce soir. Prenez tout de suite conscience de vos abdos et du placement de votre dos. Vous descendez avec les bras tendus entre les cuisses. Là encore, vous prenez le temps d'appuyer par les pieds pour sentir que centimètre par centimètre, vous remontez toujours en engageant les abdos et les fessiers. Même chose, niveau 2, mais vous tirez encore une fois les coudes arrière en jouant le rapprochement des omoplates. Et niveau 3, c'est ce que l'on a fait tout à l'heure. Les mains en tombent et on redescend en souffle. Allez, go. Inspirez là. Et expirez. À chacun son option, à chacun son décompte. Ça peut être 10, 12, 14, 16, 18 ou 20. Vous pouvez vous arrêter là. Sinon, l'objectif, c'est vraiment de sentir que ça reste hyper fluide. Dans la montée, la descente. Dans la montée, j'appuie dans le sol, ce qui fait que je sollicite vraiment les muscles. Et dans la descente, c'est je relâche la pression, mais je freine en même temps le geste. Allez. Très bien, la dernière. On reste à nouveau. Soit vous en profitez pour récupérer, soit vous réengagez à nouveau le travail dynamique des bras. Descendez dans les cuisses. Mon bassin est stable, mes épaules sont stables. Mes abdos verrouillent le tout. Alors je peux libérer un peu l'énergie là. Allez, 15 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se rappelle, pieds parallèles. Ou ici, je reste tirage droite, virage gauche, ou avec les bras, on remonte. Allez, go. Là, on est pas sur la force, hein. On vise davantage l'élasticité musculaire. En gros, c'est comme un yo-yo. Il descend et remonte, c'est fluide. Et là, vous devez travailler, ressentir la même sensation dans les cuisses. Comme si les cuisses, c'était deux amortisseurs. Quel que soit le relief du terrain. Les amortisseurs se plient là, ils absorbent, ils restituent l'énergie, c'est la même. Que j'ai aucune rupture dans le geste. 6, 5, 4, 3, 2. Là encore, vous avez besoin d'un break, vous prenez le temps, sinon vous écartez une nouvelle fois les jambes. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, allez go. Inspirez, essoufflez. Ça va être un petit peu plus light ce soir pour les jambes. On sera un peu moins en impact. Ça a du bon aussi parce qu'on aura travaillé le calme. Mais on mettra un peu moins la pression sur les articulations. Donc, ça fait sens tout ça. Allez, 13. Évidemment, vous vous arrêtez comme vous le souhaitez. 16, 19 et 20. Une dernière fois, si vous pouvez, on reprend la dynamique. Allez, 10 secondes, encore. 3, 2, 1. On relâche, on souffle. Cool. Je vous laisse souffler. Il va nous rester un dernier travail qui va associer à la fois la dynamique des bras et celle des jambes. On va faire un mouvement. On reste toujours dans le même principe d'exercice. Vous restez jambes fléchies. On vient de le faire. Vous allez faire au niveau 1, un petit pas à droite, un petit pas à gauche. Et toujours en essayant d'activer les bras. Voilà, niveau 2 est bien plus bas. Et niveau 3, juste avec un léger petit sursaut. Très léger. Allez, go. Voilà, essayez vraiment de sentir l'association du travail des bras avec celui des jambes. Tout ça, c'est ce qui va créer l'équilibre, la dynamique de transfert. C'est pas d'une part les bras d'un côté ou les jambes de l'autre. C'est les deux ensemble, c'est comme le mental et le physique. Allez, soit vous vous arrêtez là, soit il en reste encore 10. On aura fini les jambes à l'issue de la séquence là. 4,
3, 2, 1, relax. Ouh, ouais, c'est cool, mais ça bosse quand même. Allez, je vous laisse libérer un tout petit que ça vous fait plaisir, j'espère que ça vous fait du bien. Alors ce principe de moulinette, là, on ne va pas le lâcher. On va le préserver. On va juste travailler un petit peu dans des sens différents. Et toujours avec l'option en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Je vous laisse un tout petit peu plus de récupération, 10 secondes. Essayez de glisser deux respirations si vous pouvez. Dites-vous là, au-delà de la séance, tout le travail que vous avez effectué cette semaine en replay, j'ai lu les commentaires. Hein. Malgré le couvre-feu, c'est dur d'être à l'heure, c'est dur de pouvoir faire tout en présence du live, mais malgré tout, vous ne décrochez pas. Ça vous tient à cœur et ça me fait super plaisir. C'est-à-dire que l'équipe, elle est là, elle va bien au-delà d'un simple live. Le live, c'est top pour la dynamique, mais ça veut dire qu'on est vraiment dans l'énergie. Ça, c'est super. Soufflez. Ce qu'il faut que vous arriviez à dire, c'est vraiment, voilà. Il y a la partie cardio, ça va booster tout ce qui est puissance cardiaque, puissance musculaire. Il y a tout le travail de galbe, tout ce qui intrinsèquement va nous donner de la force, de la consistance, de la silhouette, du maintien sur la silhouette. Il y a tout ce travail-là qui est un peu superficiel, qui va venir dessiner un petit peu les reliefs musculaires. Et c'est la complémentarité qui construit justement le métabolisme et qui nous apporte du résultat. Donc, on est pour certains cours plus ou moins dans notre filière, mais c'est vraiment l'ensemble qu'il faut solliciter. Et c'est ce que vous le faites très bien, donc c'est top. On y va. Vous retournez avec vos haltères. Alors, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on tourne en arrière. Cette fois, vous allez essayer de tourner à l'horizontale. Donc, vous allez partir sur votre droite. D'accord? Donc, stable au niveau des abdos. Un bon maintien ici. Voilà. Essayez de sentir que le plateau, il est à l'horizontale. Vous faites tourner. C'est trop dur avec les deux. Vous n'en prenez qu'une. C'est trop dur avec une. Vous en posez et vous travaillez à vide. Et si pour X raisons, vous ne pourriez pas le faire, dans ce cas-là, je vous invite juste à déporter les bras arrière. Gardez un tout petit peu la posture 3 secondes et revenez à la position initiale en soufflant. Allez, on y va. Expirez bien. Allez, sentez vraiment que vous êtes sur le bateau et vous faites le travail. Allez, ça mouline. Pensez à vos abdos, engagez périnée et travaillez en relâchement. Quelle force vous êtes capable de développer à ce moment-là? Quelle force, mais en tenant compte du relâchement. 5, 4, 3, 2. Maintenant, vous montez les bras au niveau du visage et vous faites tourner. Alors, attention à ne pas vous coller. Hein. Et vous faites tourner les bras en montant. Vous ne pouvez pas, vous avez mal aux épaules, vous êtes en bas. Go. Allez, je me répète, faites attention à ne pas vous coller. Hein. Ni le menton, ni les dents, ni le nez. Vous ne mettez pas un truc dans l'œil. Soufflez. Essayez de sentir que vous ramenez bien la main vers le visage et non pas vers l'avant. Il est beaucoup plus contraignant dans ce sens-là pour l'épaule. Allez, soufflez, soufflez, soufflez encore. Expirez. L'idée, c'est de monter un petit peu là. Que ça chauffe au niveau des muscles, que le cardio monte un peu. Et tout de suite derrière, c'est tellement moins sympa qu'on va vraiment faire une transition qui va être bien ressentie. Allez, 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout de suite, les bras en croix. Ouch! Les épaules doivent être relâchées. Vous tenez un tout petit peu. Allez, soufflez, soufflez. Réajustez bien. Ensuite, si vous le pouvez, première chose, checkez vos abdos. Hyper important. Moi, je relâche une seconde les bras. Serrez les abdos. Un pas en avant, un pas en arrière. Vous vous inclinez légèrement. Et maintenant, sans lancer les bras, mais en cherchant une contraction au niveau des torsos. En essayant de sentir le rapprochement de vos omoplates, vous créez un mouvement avec les bras vers le haut et vers l'arrière. Et si avec les abdos c'est trop hard, posez les charges. Faites-le à vide. Allez, stabilisez bien. Encore. Quand je dis stabiliser, c'est au point de départ. C'est d'avoir une extension de bras assez conséquente. Pas totalement tendue. Les bras sont légèrement fléchis. Mais par contre, vous faites le bon levier. Et si c'est trop dur de prolonger, récupérez. Dans ce cas-là, vous pouvez revenir ici aussi. Hein. 5 secondes, peu importe. Du moment que vous restez au contact de l'équipe, c'est tout ce qui compte. 3, 2, vous restez dans la position. Au pire, si vous avez mal au niveau des jambes,
N'hésitez pas à inverser la position des pieds. On va garder la position du dos. Vous allez redescendre un peu les bras, c'est cool. Ensuite, vous allez tirer les coudes vers le haut et vers l'arrière. Vous ne faites que l'extension avec les avant-bras. C'est-à-dire que le bras, lui, ne bouge plus. Et avec votre avant-bras qui fait des petits allers-retours. Petits. Allez, 3, 4, voilà. Pas d'hyper-extension non plus. Ne verrouillez pas l'articulation. Cherchez à éloigner les bouteilles ou les haltères vers le haut et vers l'arrière. Mais par un travail de contraction musculaire du triceps. Les étourdissements, évidemment, vous arrêtez bien avant. Si vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de prolonger, c'est pas un échec. Vous transformez votre exercice et vous revenez, comme on l'a dit, sur un petit mouvement. Et si vous pouvez, vous essayez de garder de la qualité jusqu'au bout. 4, 3, 2. Vous pouvez aussi faire un break un temps et nous rejoindre. Stop. Vous gardez la position. Vous allez essayer de sortir la poitrine. Corrigez ici l'extension de la cage thoracique. Les garçons, mettez les pecs en avant, les fils à poitrine. Vous descendez peu à peu les bras, mais pas trop. Et ici, pareil, sur un bras tendu, vous remontez les bras à l'arrière. Vous allez stimuler l'arrière du bras. Les dorsaux également. Allez. Inspirez quand ça monte, soufflez lors du retour. Inspirez. Et là, confrontez-vous à deux choses. À la contraction musculaire, il faut faire le biais pour aider les bras. Il faut lutter contre la gravité. Il y a une double contrainte là. Allez, qu'il n'était pas question de prendre des haltères forcément plus lourds. Vérifiez bien la posture. Hein. C'est hyper important dans le placement pour l'exécution du bon geste. Les pieds avec la poitrine en avant. On ramène. Ouh, on rassemble avec les bras et on repart sur le plateau, mais dans l'autre sens. Vous commencez sur votre gauche. Oh. Ben, Sanabo. Sanabo. Elle est belle la phrase. Sanabo. Sanabo n'être que du renforcement musculaire. On sent quand même que ça transpire un peu quand même. Je ne sais pas, mais... Allez, vous êtes à l'aise. Vous avez récupéré un semblant d'élasticité. Et bien, allez-y. Remettez un petit peu le rythme. Rythme, mais pas précipitation. Et engagez vos abdos, votre périnée, avec un bon maintien au niveau du dos. Allez. Allez, visualisez vraiment la séquence. La force, elle est en vous. L'énergie, elle est en vous. La gestion de l'effort, elle est en vous. Le relâchement est en vous. Tout ça, c'est à vous de faire les composantes, d'avoir le bon mélange pour en ressortir la meilleure recette. Et la recette, elle fait le résultat. Go. On rassemble et on part. Allez, physiquement, vous produisez l'effort. Mentalement, vous êtes dans l'engagement. Encore. Je transpire pas, hein, c'est l'émotion. Encore. Allez. Ça m'est mieux de savoir qu'on est un certain nombre à galérer un peu ensemble, mais surtout à prendre du plaisir et à progresser. Allez. Il est où mon relâchement? Elle est où ma puissance? Je la sens, la puissance, elle monte là. C'est ma puissance. Est-ce que vous la connaissez réellement, votre puissance? La puissance physique. On est toujours à dire, ouais, c'est pas bon, hein, j'ai pas la capacité de. J'y arriverai pas, jamais, never. Vous avez toutes les capacités, vous êtes né. 2, 1, stop. Ah, je n'ai pas eu lumière, celui-là. Mentalement, c'est pareil. On est tous d'accord. Il n'y a pas des gens qui sont plus ou moins forts. On n'a pas la même interprétation des choses. On n'a pas tous non plus les mêmes objectifs, mais on est tous très forts, physiquement, mentalement. Il faut juste de retrouver les clés et de les assimiler ensemble. Et après, c'est un autre parcours. Avec l'oxygène. Encore, inspirez bien. Avec en vous concentrant sur la respiration, déjà, vous trouvez de la ressource. Encore, inspirez. On peut changer de pied. On se replace. Et c'est reparti. Allez, l'oiseau, là. C'est pas facile. Il y a une chose que je dois dire. C'est juste que moi, je suis super fier de vous. Super fier de vous, de notre esprit, de notre engagement, de notre groupe, de tout. Même si mes blagues sont pourries, je le conçois. Allez, encore. Ça fait 10, vous pouvez briquer là. Hein. Vous pouvez vous arrêter à partir de là. Ça va essayer de bien piloter jusqu'au bout.
Allez, prenez les rênes du mouvement. On n'a pas la facilité, encore une fois. Cool. On descend peu à peu. On replace. On stabilise. Et l'extension d'avant-bras. Ouais, ne lancez pas le bras. Le truc qu'il faudrait éviter, c'est ça. Donner de l'élan à la bouteille ou à l'haltère pour lui permettre de monter. Non. C'est la contraction du triceps sur l'arrière du bras qui va produire le bon geste. Allez, 5, 4. En soi, ce n'est pas très dur, mais si on le fait bien, on le sent tout de suite l'effet. Et si on coupe à l'exercice qui vient, c'est beaucoup plus bénéfique. C'est parti. Rappelez-vous, l'extension de la cage thoracique. Attention par contre à ne pas cambrer. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un pied devant derrière et à remonter peut-être avec votre dos. On part avec les bras ici et on freine le retour sans redescendre jusqu'aux hanches. Allez, go. Inspirez, décompressez, soufflez. Alors, je peux vous dire, je ne fais pas le malin. Je ne sais pas quel est votre ressenti à vous, précisément. Mais là, je ne fais pas le malin. Et pourtant, ce qui est en train de se passer, là, je parle pour moi, je sais que ça va m'améliorer la posture. Ça va me donner beaucoup plus de force. Là aussi, mentalement, cette force, elle va m'apporter beaucoup. Déjà dans la sensation, le rapport que je vais avoir avec mon corps, et puis dans les efforts que j'ai produits, dans l'engagement que je suis capable de faire. C'est de la confiance, c'est de l'endurance mentale. Tout ça, ça marche ensemble. Encore une. Allez, et je sais que c'est la même pour vous remonter. Soit vous commencez, faites tourner les mains ici au niveau des hanches, soit vous pouvez vous repartir encore en haut. Go! Je vous promets qu'on est presque à la fin sur les bras. Presque, 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 presque. Malgré l'enchaînement des efforts, malgré la fatigue, continuez de faire tourner avec qualité et avec relâchement. Non-stop. 6, 5, 4, 3. 2, on revient le bras en croix. Oh, mais c'est dur là. Là, c'est pas cool quand même ce que tu fais. J'avoue. Si vous n'avez pas le choix, vous avez le droit de braquer ou vous avez le droit de transformer. Et vous avez aussi le droit de vous concentrer sur vous, de respirer. Sentez la motivation qui vous gagne, sentez la gestion de l'effort. C'est très important pour poursuivre avec qualité, ne pas se mettre en danger. On a le droit de reprendre un tout petit peu l'inclinaison vers l'avant. Si vous sentez vraiment que vous n'avez plus la force, faites ce travail-là pour ne pas renoncer. Et si vous pouvez, revenez encore une fois ici. C'est l'avant-dernier exercice, avant-dernier. Dès que vous êtes à 10, si vous ne pouvez plus, soit vous faites du vous adaptez l'effort. Le plus important, c'est que vous restiez au contact du groupe. Dans votre énergie à vous, par contre. Allez, 3, 2, 1. Et maintenant, on place les mains aux épaules et on monte à nouveau avec les deux bras. Ne cherchez pas à l'accélérer, ne cherchez pas à le lancer, cherchez à contracter pour prolonger. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez mal. Dans ce cas-là, ici, vers l'arrière, toujours. Ou en biceps, vous pouvez aussi le transformer, à vous de choisir. Allez, 6. Et je lâche pas mon transverse, et je lâche pas mon périnée. Et je suis là, et je fais l'effort, hein, samedi soir. Bravo la team. 5. Allez, on le finit ensemble, à bout de bras. Mais on y va ensemble. 3, 2, on live vous replay. On l'aura fait. Go. Go. Je bigne. Et je bigne. Hydratez-vous un petit peu. On les aura bossé les bras et le dos, hein. Même cette semaine, mais. Et je vous invite à passer au sol. Gardez une ou deux bouteilles, ou un ou deux haltères à proximité. Je vous invite à vous allonger tranquillement. Une fois que vous êtes allongé sur le sol, vous allez prendre les haltères.
Vous allez surtout faire attention au relâchement des épaules. Ne crispez pas vos épaules. Vos épaules doivent rester relâchées. Et surtout, on va déporter les bras vers l'arrière. Si vous commencez ce soir, peut-être prenez une bouteille ou canne alter, pas les deux. Et surtout, quand vous descendez, n'allez pas trop bas d'ailleurs, pour deux raisons. Vous risquez de vous faire mal à l'épaule, mais surtout, vous risquez de décrocher au niveau lombaire et de cambrer. Ou alors, vous ramenez le genou aussi à la poitrine. Pour tous ceux qui le veulent, c'est je vais chercher avec les bras en arrière, j'inspire. Contrôle du transverse, contrôle du périné. Abaissement des côtes sur retour, je reviens avec les bras et je souffle. Allez, c'est parti, juste ça. Donc, c'est sur cet exercice-là, en début de cours, où je vous ai dit, si vous voulez monter un peu sur la charge, si vous avez un peu plus lourd, vous pouvez le faire. Mais comme il ne va pas durer longtemps, ce n'est pas non plus une nécessité absolue. Alors, il y a les bras, il y a les dorsaux, bon, il y a les pectoraux aussi un peu, mais surtout, essayez de sentir là. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le travail sur les abdos. Allez, donnez-moi encore 5. 3. Encore 2. Et on relâche. Parfait. Alors, je m'adresse pour ceux qui commencent ce soir au niveau 1. Vous posez les haltères. Vous allez dégager votre bras droit sur le sol à la perpendiculaire. Vous prenez appui sur le bout des doigts. L'autre main, vous la mettez sous la tête. Vous allez décoller vos épaules. Et en prenant appui sur la main, vous créez une pression dans le sol. Et vous tournez vos épaules en direction de ce bras-là. Pour le niveau 2, au lieu d'avoir le bras perpendiculaire, j'ai du mal à sortir la phrase, au lieu d'avoir le bras perpendiculaire, vous le mettez sous la tête. Et pour le coup, vous prenez un haltère à la verticale. Même chose, vous tournez sur le côté en essayant de sentir, vous montez avec la main vers le plafond. On revient, ça c'est niveau 2. Niveau 3, vous associez les deux, le bras sur le côté, pression dans le sol, et vous montez là-haut en rotation. Allez. Mettez pas un petit coup d'épaule qui va provoquer le geste, mais mettez un gros coup de contraction au niveau des abdos, ce qui va engager la rotation. Et alors, arrivez à 10, si à un moment donné vous sentez que pour le coup c'est trop dur, vous finissez avec la main sous la tête. Allez, très bien sur cette rotation. Mon Dieu, je vois l'heure et je me dis qu'on est déjà à la fin. Ah, il va être bien ce challenge dans 10 jours là. Je vais vous garder 1h30. Ça va être du pur bonheur. Dernière fois, good. Vous revenez ici. Là, si c'est bien fait, vous devez le sentir sur taille. Hein. Mettez les mains dans la tête. Vous allez monter par 2 x 10 ou 4 x 5. Vous faites des petits mouvements. Pourquoi 4 x 5? Parce que ça vous permet de faire une inspiration au terme des 5 répétitions. Ou alors vous faites 2 x 10, c'est-à-dire vous soufflez durant 10 petits mouvements en continu. Allez, j'inspire et je souffle. Go. Dix, on inspire. Et on repart. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cool. À part de là, plusieurs options. Vous commencez ce soir. Mettez les mains dans la tête. Soufflez, montez, montez, rapprochez-vous du plafond. Restez. Ça peut être l'option. Vous redescendez et vous reproduisez l'exercice plusieurs fois. Niveau 2, vous prenez qu'un seul haltère ou une seule bouteille. Vous partez avec les deux bras à la verticale. Et vous éloignez de 10-20 cm les bras vers l'arrière en montant avec les épaules. Niveau 3, si vous n'avez pas de problème de dos, si vous sentez qu'avec les abdos, vous êtes suffisamment fort pour ne pas cambrer, vous partez même position à la verticale, vous déportez les bras beaucoup plus vers l'arrière en soufflant et vous continuez d'élever les épaules. Et on revient à l'inspire. 3. Donc, c'est l'inverse de tout à l'heure. L'expiration se fait quand les bras se déportent en arrière et l'élévation des épaules se fait également vers le plafond quand les bras descendent. Ah, il n'y a pas besoin d'en faire 300 pour le sentir. Hein. Cool. On revient avec les mains dans la tête. On reprend la série des 4 x 5 ou des 2 x 10. Allez, go. Inspirez, ne lancez pas, cherchez plutôt à accompagner le geste.
8, 9, hélice. Rappelez-vous, néo-1. Le bras gauche perpendiculaire à la main. On tourne vers le bras, resté au sol. Niveau 2. On maintient le bras vertical, l'autre bras sur la tête. On fait la même chose en rotation. Niveau 3. La main sur le sol. Allez, go. Opposez-vous à la bouteille ou à l'haltère. Hein. Cherchez vraiment à le repousser vers le plafond. C'est là le secret de la bonne contraction. Ce n'est pas en essayant de le lancer. Ce n'est pas en prenant un petit coup d'élan. Et si vous arrivez à créer la petite pression avec les doigts sur le sol, ça ne paraît pas. Hein. Mais ce petit plus là, en pression hypopressive, ah, je peux vous dire que sur les leviers de contraction, ça fait mal. Encore une. Parfait. Les mains dans la tête, les 4 fois 5 ou les 2 fois 10. J'inspire et je relance. 1, 2, 3. On bloque, on reste, on inspire. Checkez bien le périnée, relâchez bien les cervicales, écartez les coudes, repartez pour 10. Sept, huit, 9, 10, on est dans l'avant-dernière séquence. Je vous laisse le choix. Soit vous voulez reprendre l'exercice qu'on a fait au tout début. Vous posez un peu les cervicales, vous partez avec les bras vers l'arrière, vous ramenez les bras vers l'avant. En essayant de s'entraîner, vous avez un engagement des ados, voire en levant les genoux. Soit vous êtes à l'aise, vous repartez une nouvelle fois, bras à la verticale, et vous déportez les bras vers l'arrière en montant les épaules. Allez, go. Il n'y en a que 10, ça, rappelez-vous. Mais par contre, on les fait hyper bien. 3. 4, 5, 6, allez, lâchez rien, soyez fiers malgré la contrainte, malgré la difficulté. Maîtrisez tout ça et laissez parler votre potentiel. Encore une. Cool, on revient. Les deux dernières fois, 10, 4 fois 5 et c'est bon. 1, 2, 3, 4, allez, misez sur l'élasticité. 6, 7, 8, 9, 10, et encore une fois, j'inspire. Jusqu'au bout, 1, 2, ça me rappelle un film, ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour ceux qui auraient mal interprété ce que je viens de dire, c'était un rookie, hein, parce que jusqu'au bout, on ne sait jamais. C'était un rookie, c'était Rocky 4, me semble-t-il. Oh, je m'en suis bien sorti de cette histoire. Allez, venez vous placer sur les fesses ou sur les genoux. 18h48. Gérer une séance dans son temps normal, c'est quasiment impossible pour moi. Allez, mettez les mains dans la tête, inspirez. Voilà, dégagez bien la cage thoracique, sentez que ça étire un petit peu les abdos. Vous pouvez faire la même chose en tailleur ou sur jambes tendues. Enlevez les cervicales et soufflez. Allez, deux fois encore, inspirez bien. C'est là où je pense à vous, c'est là où je me dis que vous avez fait l'effort, ou vous allez faire l'effort, pour ceux qui sont en réglé. Mais on l'aura fait ensemble, quoi qu'il en soit. Et quelle que soit la configuration, vous continuez de rester actif, vous restez dynamique. Il y en a plein qui reviennent, ça me fait super plaisir. Beaucoup qui avaient décroché parce que des contraintes perso et autres. Et vous faites l'effort de revenir. C'est pas que pour moi, bien sûr, pour moi, ça fait plaisir. Mais c'est pour vous, tout ce que vous aviez engagé lors du premier confinement. Vous ne perdez pas tous les acquis là. Parfait, je peux vous dire qu'un grand merci. Vous souhaitez une bonne soirée, vous souhaitez un bon dimanche. Vous retrouvez lundi en pleine forme si vous pouvez. Et on approche de notre challenge. Donc, préparez-vous. Salut les amis. Bonne soirée à tous. Ciao.